Si j'ai monté trois pièces de Coltès, c'est que je pense qu'il y a des auteurs contemporains, dont lui. De textes contemporains, j'ai monté une pièce de Genet, j'ai monté une pièce de Rainer Müller aussi. Donc il y a une part importante de création contemporaine ici, je veux dire, ce qui me semble absolument nécessaire, qui me semble même, je dirais, pour un théâtre, absolument la moindre des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les auteurs écrivent, il faut les monter. C'est plus risqué parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de référence. Et les spectateurs n'ont pas de référence, mais ça c'est ceux que ça gêne le moins de ne pas en avoir. Les metteurs en scène et les acteurs n'en ont pas, les critiques n'en ont pas, malheureusement. Alors comme ils cherchent toujours des correspondances, ou comme ils cherchent toujours à comparer quelque chose à quelque chose, c'est plus risqué. C'est sûr que commercialement, j'ai envie de dire, c'est probablement moins payant, si je puis dire, que de monter un Shakespeare ou de monter un Marivaux. Mais en même temps, je crois que c'est plus exaltant, et d'une certaine façon, c'est une façon de regarder le monde contemporain, et donc j'ai l'impression que je sers mieux, que je fais servir mieux ce que je suis en faisant ça qu'en montant un classique.